and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. The crowd is deafening, Al. This is going to be an incredible race. This is modern entertainment. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de véhicule qui va bientôt sortir. Je voulais juste avant de commencer la vidéo remercier et vous rediriger vers un abo, Mr. Notrix. Donc voilà, gros GG et gros merci à toi qui m'a tout simplement fait ma nouvelle illustration de chaîne, comme vous avez pu la voir, si vous l'avez vu, mais enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne ou à vous abonner, parce que sur sa chaîne pour l'instant je vois qu'il n'y a pas grand chose, même rien du tout. Mais voilà, si vous voulez des bannières de chaîne ou des logos, n'hésitez pas à aller lui demander quoi. Voilà, encore gros GG à toi et grand merci à toi mec. Allez, on commence la vidéo. Donc, j'étais censé vous sortir cette voiture la semaine dernière, sauf qu'elle est sortie entre temps sur le online, enfin il y a 2 semaines. Donc voilà, je l'avais fait comme ça. C'était la tulipe. Aujourd'hui on va s'attaquer à la Vamos. Voilà, encore un muscle car. Donc je vais me mettre en vue FPS pour mieux que vous la voyez. Voilà, donc la Vamos. Il me semble que c'est une voiture qui est aussi dans Fast and Furious 8. Mais je suis pas sûr. Ben voilà, c'est un style très très muscle car. Bien bien, j'aime bien moi, j'aime bien. Franchement je trouve ça stylé. Donc allez, on va aller la modifier comme d'hab. Montre un peu l'intérieur. Ah, le bruit il est excellent. Bon, par contre elle a l'air plus puissante que la tulipe celle-là, on va voir après mais... Donc allez, on est parti. Alors, aileron. Aileron bas. Aileron plat. Aileron bec de canard. Aileron de stock car. Aileron dragster. Oh, stylé. Aileron dragster étendu. Aileron drag... carbone étendu. Aileron de course. Moi je vais mettre... Ah, je vais mettre celui-là, hein. C'est ça que ça fait bizarre. Ouais, quoique, ça peut faire un style. Un style dragster, on va voir ce que ça donne. Allez, on va le mettre en style dragster. On va mettre comme ça, on verra après. Par choc avant de série. Spoiler avant. Spoiler avant élargi. Spoiler avant peint. Spoiler avant custom. Spoiler par choc et spoiler avant. Par choc peint et séparateur. Bon, voilà. Ça c'est pas mal mais... Ah oui d'accord. Ok. Ouais on va mettre comme ça plutôt. Je préfère rester en alu. Par choc arrière. Par choc arrière peint. Ah ça c'est pas mal. Barre à roulette. Barre à roulette et voile. Ok. Ouh, il nous prépare une activité les gars là. Parce que c'est bizarre ça. Échappement. Échappement bout chromé. Échappement gros calibre. Échappement à tube droit. Échappement de course. Échappement hot ring. Donc ça c'est sur les côtés. En plat ils sont. Outring Titan. Oh, je vais mettre comme ça, j'aime bien. Allez, châssis. On va se mettre en vue FPS. Ouais, c'est bon, ça ira. On voit bien, voilà les barres. Arceau de sécurité cascade. Ah ouais, d'accord. Hop. On va mettre comme ça, c'est bien. Calandre. Calandre noire ouverte. Donc on a d'origine. Noire ouverte. Calandre à lamelles. Calandre à mailles. Ouais, c'est pas mal. Calandre d'air apparent.
Radiateur d'air apparent. Ah, pardon. Calandre turbo apparent. Oh, c'est stylé. Calandre turbo double apparent. Oh. Oh, ça démonte. Capot en carbone. Capot sport. Capot induction d'air. Capot. Grand capot induction d'air. Non, c'est comme la tulipe. Bug catcher triple ouverture. Ouverture simple. Prise d'air très haute. Okay. Triple bas. Simple bas. On va mettre comme ça. Les ailes. Finition retirée. Élargisseur d'aile pin. Oh. Élargisseur d'aile carbone. On va mettre pain. Oh, on va mettre carbone. Je mettrai les longs en carbone aussi pour voir ce que ça donne. Toit vinyle. Ça, on va laisser comme ça. On verra après aussi. Moteur. On va s'en remettre à fond. Parce qu'il y a les motifs, hein, faut pas oublier. Frein à fond. Transmission à fond. Klaxon. On s'en fout. Suspension. Je vais pas la baisser la suspension. Laissez comme elle est pour les runs. Blindage 100%. Peinture, on verra après. Néon, pareil. Window, vite teinté noir. C'est bizarre, vous voyez, sur le. Sur mon mode menu, ça le met que d'un côté, je comprends pas. Pas de VD extra, turbo, phare aux xénon. Couleur, on verra après. Jainson, on s'en fout. En ce moment, ouais. Max speed, elle va à 165 km/h. Hein. Voilà. Après, Venise motif. Double bande blanche. Waouh. Double bande noire, ok. Double bande blanche latérale. Oh, c'est stylé ça. Double bande noire latérale. Flamme classique. Trouvée dans un champ. Oh, classe. Rayure rouillée. Tas de boue. Épave sportive. Reine de l'asphalte. Grosse vengeance. Ouais, pas mal, un peu bizarre, mais pas mal. Course. Numéro 72. Flywheels, low boil, garage gas. Q-in. C'est vraiment sans danger. Ah ouais, avec une tête de mort là. Ouais. Du coup on la voit pas. Bah du coup je vais mettre soit bande blanche. Ou je vais mettre des bandes latérales. Ah, ou alors je la mets blanche avec les bandes noires. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes. Alors, on va faire comme ça. Allez. Hop. Carbone étendu. Bon bah voilà. Il manque plus que les jantes. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ok, le custom, on peut pas, ouais mais les phares c'est pas la peine non plus là, alors, on va quitter, donc, si la Vamos custom mode dragster, on va aller l'essayer, elle est bien bien stylée quand même, avec la barre et tout là. La barre la roulette. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Et quoi de mieux que l'aéroport pour la tester? On va voir ce que ça donne. On va voir si cette barre elle sert vraiment dans le jeu. Maintenant, du coup, avec toutes ces nouvelles modifs. Ouais.
Ah, la barre en fait ça te permet de pas trop lever en fait. Ah si voilà. Wow 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 wow. Ouh putain, on est parti loin. Elle est puissante hein. Ah elle avance hein. Elle avance celle-là. Ouais, elle a de la patate, elle a de la patate. Oh, elle est vraiment stylée quand même. Allez, on va essayer un départ arrêté. Oh, je l'avais bien réussi tout à l'heure. Excellent. Donc voilà les amis, pour la Vamos, elle est vraiment vraiment stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, en mode dragster ça change. Moi j'ai bien bien aimé cette bagnole en tout cas. Pour les raseaux ça va être monstrueux là. Sauf qu'elle elle a l'air aussi puissante que la déviante. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, oh c'est excellent. Bon, bah les potes, ça sera la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et si ça vous a plu bien sûr, à vous abonner si vous me découvrez, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur GTA 5, GTA Online ou encore Red Dead Redemption 2, merci à tous pour le visionnage et à très vite, ciao.